Lolo, Chada, la liste dit qu'elle ne veut plus de ton amitié, que tu l'amènes trop de problèmes. Elle a même dit que tu es poisseuse. Yeah. Qu'elle ne veut plus, qu'elle n'a jamais vécu ça, que Flo est mieux. Hey, Moi-même, j'avais le macabre de Lolo, qu'elle m'a arraché ma chambre. Je ne suis pas là pour parler de Chantal Aïssi. Laissez un peu Chantal Aïssi tranquille. Aïe. Pourquoi quand Lolo m'avait envoyé, pourquoi vous n'aviez pas parlé? Je m'interroge. Lolo m'avait envoyé, vous ne savez pas. Point d'interrogation. Quand elle m'a envoyé et quand elle m'a arraché ma chambre, vous aviez dit quoi? Je m'interroge. Quand Lolo m'a arraché ma chambre, vous aviez dit quoi? Je m'interroge. Jusqu'à ce qu'elle s'est fait des connaissances derrière ma chambre. Donc ça veut dire derrière moi. Laisse mon frère, hey. Moi je connais qui derrière Lolo. Point d'interrogation. Je connais qui derrière Lolo. Je m'interroge. Mais Lolo connaît déjà tout ce monde là derrière ma chambre. Ça veut dire que c'est derrière moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je m'interroge. C'est quoi? Je m'interroge. Mais plus mini mini là. Le fait que quelqu'un vienne dire que je ne veux plus de ce contact ne doit pas faire un problème. Ça, c'est clair. Jusqu'à vous venez parler de jalousie. Jalousie de dans quoi? Sur quoi? Je m'interroge. Chacun a sa vie. Ça, c'est clair. Jalousie même, qu'est-ce que vous entendez même souvent par jalousie? Je m'interroge. Jalousie, vous la jalousez. On jalouse pourquoi? Pour quelle raison? Je m'interroge. Venir porter un message que non, la personne que je t'avais présentée, la même personne dit qu'elle ne veut plus de ton, être en contact avec toi, que tu l'amènes trop de problèmes dans la vie, devient un problème. Je m'interroge. Ça devient un problème. Je m'interroge. Vous montez avec mon précieux nom, Valérie Amourou. Vous descendez, Valérie Amourou. J'ai fait comme eux deux m'ont demandé. Lolo, tu sais très bien que j'ai fait ta mission. Je suis allé, j'ai cherché, j'étais mis en contact avec ma chambre. Tu le sais, non, Lolo? Oui. J'étais mis en contact avec ma chambre. Hein? J'étais mis en contact avec ma chambre. J'étais mis en contact avec ma chambre. Et alors? Ma chambre ne voulait pas. Je vous jure, voilà la porte de l'église. Là. Voilà. Voilà l'église. Voilà l'église catholique. Je ne suis pas catholique. Mais voilà l'église catholique. Je ne m'amuse pas avec la religion. Laisse mon frère, hey. Son anniversaire était le 10. Ça c'est clair. Je lui ai souhaité joyeux anniversaire. Ça c'est clair. Je n'ai pas de problème avec elle. Je suis venu à mission. Comme elle m'avait envoyé à mission chez Chantal Aïssi, que va dire à Chantal Aïssi, va chercher moi le contact de Chantal Aïssi. Je les ai mis en contact. Après je n'ai plus eu la suite. Maintenant que quand il y a une suite, je refais la même mission. Laisse mon frère, hey. Fichez moi le camp avec les analyses du sous-quartier à 2 balles. Oh maman! Vous venez dire que je suis jalouse. Je jalouse quoi? Point d'interrogation. Vous aimez seulement utiliser le mot jalousie? Ça c'est clair. On jalouse quoi? Moi je jalouse quoi? Chantal a dit qu'elle va jalouser quoi sur Lolo alors que c'est Lolo qui a bien profité d'elle. Ça c'est clair. Elle le dit si bien? Ça c'est clair. Ah, Lolo a profité d'elle, de ses contacts? Ça c'est clair. Si elle n'est pas là en Ongata avec ses deux plaintes qu'elle a eues, c'est grâce à ses contacts? Ça c'est clair. Hein? N'est-ce pas, vous pouvez aussi dire merci à Chantal Aïssi que de lui dire des méchancetés? Ça, c'est clair. Vous savez que vous les microbes des réseaux sociaux, vous êtes tellement bêtes à un niveau. Beaucoup d'entre vous êtes bêtes. Ah! Oh, maman. Parfois, c'est même pas la peine qu'on vous suive. Ce n'est même pas la peine qu'on vous suive. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous voyez, quelqu'un vient dire que c'est moi qui ai mis ces gens en contact. Et maintenant que ces gens, ils sont cassés, on vient aussi me dire que comme tu ne m'as mis en contact avec cette personne, dis à cette personne que je ne veux plus. Ça devient mon problème. Ah! Wow! Wow. Vous dites qu'elle n'a pas de bouche. Elle a la bouche, mais c'est moi qui ai mis la personne en contact. Et je suis mieux placé pour dire à Lolo que Chantal demande que tu laisses son nom tranquille. Que tu arrêtes de faire des fausses accusations sur elle. Je le dis au rat et j'assume. Je le dis, Lolo est une opportuniste. Ah bon? Et pourquoi? Quand Lolo a eu le contact de Chantal Aïssi, elle m'a encore écrit même un bonjour un jour. Je m'interroge. Non. Même un bonjour. Demandez-lui si elle m'a même dit encore bonjour sur WhatsApp. Laisse mon frère. Hey. Il faut arrêter ça. Ah bon? Et pourquoi?
Parce que vous êtes sur des réseaux sociaux. Quand on vous dit des choses qui ne vous arrangent pas, on devient vos ennemis d'office. Ça, c'est clair. Quand on vous dit quelque chose qui vous arrange, on devient votre ami. Ça, c'est clair. Donc, moi, je connais déjà comment ça fonctionne dans les têtes des Camerounais et des Noirs. Comme en ce moment, je suis en train de dire à Lolo que Chantal Aïssi dit qu'elle ne veut plus de ton amitié, que tu l'amènes trop de problèmes. Le Congo, ça, les Vidutok. Elle a même dit que tu es poisseuse. Hey! Oh, 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 oh. Qu'elle ne veut plus. Qu'elle n'a jamais vécu ça, que Flo est mieux. Wow, 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 wow. Ça devient quoi? Oh, ça devient mon petit cœur. Pourquoi Chantal Aïssi? Je parle. Tais-toi, moi! Venez m'arrêter la bouche. Je parle. Dites tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Partagez d'abord. Elle n'a jamais été ma copine. Souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un ne veut pas dire que tu détestes la personne. Maman! Qu'est-ce qui ne va pas dans vos chats et vos couilles? Je m'interroge. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Je m'interroge. Quand j'ai fait la démarche pour les présenter, vous étiez où? Je m'interroge. Alors quand ça tient, vous savez comment? Les petits nous ont insultés ainsi sur des réseaux, surtout moi. Que oh, ça le dit amoureux. Comment tu peux prendre un autre diva et l'amener chez une racaille? Les vidéos sont là-bas sur YouTube. Hein. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder sur YouTube. Hein? Quand les petits m'ont lynché ici, il m'a défendu. Je m'interroge. Moi-même, j'avais le macabre de Lolo, qu'elle m'a arraché ma chambre. Comme lui-même le sait, je lui ai dit. Ça, c'est clair. Et j'ai appelé ma chambre, j'ai dit à ma chambre que tu ne me gères plus. Elle m'a dit que je suis avec Lolo à vie. Lolo, c'est ma fille à vie. C'est ce qu'elle m'a dit. Eh oui, je suis avec Lolo. Lolo, c'est ma fille. Maintenant que je les ai laissés, j'ai laissé leur amitié et que ça a dit à Cham, je ne peux que prendre et parler. Ça, c'est clair. La personne qui n'est pas content, il cherche un pont, il tombe, il meurt. Ah! Oh, maman. Je m'en contrebalance, je m'en fous de vos petites dits du sous-quartier. Ça, c'est clair. Pourquoi tu n'as pas appelé Lolo? Est-ce que Lolo et moi, on s'appelle? Je m'interroge. On s'appelle souvent? Je m'interroge. On s'appelait? Ça, c'est clair. On s'appelait? Quoi? On s'appelait? Ça, c'est clair. On ne s'appelle plus? Ça, c'est clair. Alors, pourquoi je dois l'appeler? Je m'interroge. Foutez-moi le camp. Oulili. La suite, c'est tout à l'heure, mais bienvenue, Milan. Oh,